Bienvenue dans ce 20e épisode du Let's Play sur Gothic 3. Bon, alors j'ai pas besoin de charger puisque je suis dans la continuité de l'épisode précédent. Voilà. Donc, on va aller discuter, on va aller ramasser des quêtes. Ah, je peux pas encore faire de tambour. Bon. On visite d'abord tous ceux qui sont dehors. C'est tentant ça, c'est tentant. Je vais. Mora, tout de suite. Ok. Alerte à la rue. Oh là. Ouais, Mora, fiche le camp d'ici. Nous ne devrions même pas être toujours restés. Halte là, pas un pas de plus. Bon, je vais pas discuter parce que je sais ce qu'il va me dire. Ah bah tiens, il discute avec quelqu'un là. Mais il y a un autre. Halte là, pas. C'est exactement ce que j'en veux. Un petit bug là, voilà, on le voit. Là, c'est pas. Qu'est-ce que c'est que ces bugs là? Comme s'il n'y avait pas déjà bien assez de Mora. Bon. Ah, des lutrins ou des étagères. Ici, il est question d'alchimie. Ouais, c'est toujours ça de moins que j'aurais acheté. Il doit bien y en avoir un autre qui va me donner quelque chose. Et Inos dit au vagabond. Là, c'est les savoirs des anciens, ça. Dépose ton bâton ici. Et au lieu de cela, Inos lui remit le sceptre. Dès lors, le vagabond éternel devint son serviteur. Il n'y a rien là. Il n'y a rien de nouveau ici. Ça aurait été trop beau. Bon, on ne pille pas. Hein. De toute façon, comme je libérerai cette ville, je pourrai tout prendre. Après. Alors, celui à la porte nous a parlé de Corinis. Et j'avais dit que c'était là où il était emprisonné, puis finalement non. Alors, c'est une ville. Il vivra Vera. Qui a été. Vous rappelez, j'avais dit que le héros avait été emprisonné, que les prisonniers étaient retenus derrière une barrière magique, qu'elle avait disparu et que les prisonniers s'étaient échappés, s'étaient retrouvés dans la nature, et donc ils ont été embêtés. As-tu des potions de soins? J'ai besoin de potions de soins. Donne-moi toutes celles que tu as ou je te massacre, compris? Tu sais précisément d'où viennent nos problèmes. N'avez-vous point d'alchimiste ici? Non. Et c'est bien le problème, petit malin. Comptes-tu aller nous en chercher un? Très bien. Je vais vous chercher un alchimiste. Ah, je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre. As-tu un conseil à me donner? Avant Gatron, ce Phil Mora était notre alchimiste. Cette crapule, c'est purement et purement volatilisé. Bon, est-ce que je lui donne... Tu sais précisément. Allez, voilà une potion de soin. Voilà une potion de soin. Tu vois que ce n'était pas si vite. Toutefois, ce n'est pas encore assez. Il nous en faut plus. Exterminons-les. Voilà ce que j'en dis. C'est ce que j'en dis. Il faut encore que je racle pour. Au moins, j'ai gagné un petit peu d'expérience pour une potion de soin, ça va. Oui, donc la ville de Corinis, elle était embêtée par les... Dis-moi ce que tu veux et va-t'en, je suis occupé. Par les brigands qui sont évadés, en gros. Es-tu un bon forgeron? Je dois admettre Mora, notre canon. Bien des guerriers ont remporté des batailles avec mes lames. Toutefois, cela n'a pas toujours été le cas. Tu aurais dû voir ma première épée, Mora. Elle était minable, avec une lame dentelée. Nous devons je la portais toujours sur moi, en souvenir de mon père. Les Moras n'ont aucun honneur. N'as-tu donc plus ta vieille épée? Non, bientôt plus à cause de la stupidité du surveillant Tempec, qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Je lui avais dit qu'il pouvait prendre des armes dans ma chambre, pour veiller sur les folies du Temple de l'Est. Mais, pas la vieille épée qui est sur le lit. Lui avais-je dit, toi donc? Eh bien, figure-toi que cet idiot de Tempec doit l'avoir emporté malgré tout. Alors, manifestement, il dormait avec son épée. Hein, c'est dire qu'il l'aimait. Hein. Peux-tu m'apprendre l'art de la forge? Non. Pourquoi devrais-je te l'apprendre? Pourquoi le ferais-je? Qu'as-tu fait pour moi? Tu as la permission de porter des armes pour le peuple orc. N'est-ce pas assez? Nous ne devrions même pas être ici. Qu'attendez-vous dans ce cas? Tu sais précisément... Qui t'a donc appris le métier de la forge? Nous, les orques.
sommes des guerriers. Beaucoup d'entre nous sont passés maîtres en cet art. C'est souvent un héritage qui se transmet de père en fils. Fait en chier de vouloir à chaque fois que je rate pour obtenir quelque chose. Alors, je vais sauvegarder. Se soumettront tous. Je vais sauvegarder là parce que je me méfie quand dès que je prends un truc. Mais les faisceaux d'armes, j'ai l'impression que ça ne pose pas de problème. Un jour, ils se soumettront tous. Il y en a un autre là-bas. Toujours rester ferme. Voilà ce que j'en dis. Bon, allez hop, on va se faire griller des. D'où viennent nos problèmes. De la viande. Comme s'il n'y avait pas déjà viande crue. Hop, 49, ok. Il vivra, verra. C'est parfait. Ça me fait quand même. Il vivra, verra. Presque l'équivalent d'une vingtaine de. Non, d'une cinquantaine de potions de soins. Un peu moins. C'est exactement ce que j'en pense. Bon, ok. Je préférerais un combat honorable. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Hein. Comme s'il n'y avait pas déjà bien assez de Mora. Nous devrions infliger. Fais attention à ce que tu touches ici, étranger. Je ne te tolérerai dans ma demeure que si tu as de l'argent. J'espère m'être bien fait comprendre. C'est en tout cas, toi, je vais pas te tripoter, hein, ça c'est clair. De toute façon. Qui es-tu ? Je suis l'émissaire direct de Varant. Je m'appelle Khabir. Je fais le négoce des rares produits de valeur du désert. Je peux faire de toi un homme puissant, si tu en as les moyens. Si ta bourse est plate, tu ferais aussi bien de ne pas me faire perdre mon temps. Toute bénédiction a son prix, de même que toute malédiction. Oui, j'allais dire, il n'y en a pas beaucoup, j'aurais envie de tripoter, là. Il manque de nichons, hein. Bon. Tu n'es plus qu'un simple marchand, n'est-ce pas ? Bien observé. Les orques fouillent toute la contrée à la recherche de reliques des anciens. Nous laissons les orques aller où ils veulent, dans Varant, et nous les aidons dans leurs fouilles. Je veille à ce que les orques tiennent leur part du marché. Quel est ce marché entre vous, les Hachichines et les orques ? Nous aidons les orques et ils nous payent pour cela. C'est aussi simple que cela. Mais Vak est en retard de paiement de quelques jours. Et cela ne me réjouit pas du tout. Mais il me semblait qu'il y en a un qui avait dit qu'ils étaient plus ou moins en guerre froide. Combien Vak te doit-il ? Une quantité d'or inconcevable, étranger. Si Vak ne paie pas rapidement, nous fermerons les portes de Varant aux orques. Et nous ne les rouvrirons que quand ils auront réglé leurs dettes. Dis-moi plus sur les reliques des anciens. Les orques récupèrent tous les artefacts et les textes anciens qu'ils peuvent trouver. Mais ce sont les artefacts divins qui les intéressent le plus. Ils disent que les anciens en possédaient plusieurs. C'est pour cela qu'ils font creuser les humains dans les vieux temples. C'est pour les trouver. Que sais-tu des artefacts divins ? Je suis un marchand, pas un savant. Nous autres, gens du peuple, sommes tenus à l'écart des secrets de ces reliques si rares. On les dit très puissants, entre les mains de celui qui aura été élu par les dieux. Mais qui sait ? Quels artefacts divins les orques ont-ils déjà trouvés ? On raconte qu'il y en avait un dans le temple est de Trélis. Avait ? Il n'y est plus. Comment en es-tu si sûr ? Facile. Je sais où il est. Vraiment ? Où est l'artefact divin du temple de l'Est ? J'ai peur que le prix de cette information n'excède de loin le contenu de ta bourse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me dises comment obtenir l'artefact divin ? Voilà mon offre, étranger. Tu veilles à ce que Vak respecte sa part du contrat et je t'aiderai. Cela me semble correct. Si tu le dis... Déjà, lui, Vak, il faudra que j'ai 60... Je pense qu'il faudra que j'ai 75% de réputation pour pouvoir discuter avec lui. Des flèches. Bon, si t'étais pas vilain, puis... Comme ça, bah... Ah, ça, c'est bien, ça. Comme ça. Ça pète. Oui, je regarde. 1500, c'est cher. 55, ça... 75. Non, ah non, j'ai 55 ici. Bon, je regarde. Toujours rester ferme. Voilà. Ah, il faut que je fasse monter ma force quand même. Voilà, ça. Oui, donc il faudra. Je crois que c'est à lui que je vais donner 50 000. Faut que je fasse gaffe, comme elle n'est pas équipée, j'ai peur de la vendre. Voilà. Ça, je vais la lire et puis ça va me donner 3 points. Okay. 1,
on va le faire tout de suite, d'ailleurs, vous verrez. On va regarder Savoir des Anciens. J'ai 6. Vous ne l'aviez pas encore vu depuis le début. Voilà. Il donne l'impression de la... Je sais pas, je me demande s'il la mange pas. Je sais pas s'il y a possibilité de l'avoir en gros plan. Voilà, j'ai 9. La prochaine fois... Remettre en arme au fourreau. Non, c'était un accident, c'était un accident. Guerrier. Il n'y avait pas déjà bien assez de morale. On rade. Hop. F5, hein, on va... Ah, bah non, avant... Bon, si, je discute avec lui, puis après j'irai dans la maison de Kazir, là. Ne me regarde pas comme ça. Je sais bien que je ne suis pas à ma place ici. Je préférerais un combat honorable. Tu travailles pour les orques? Bien entendu, tu préférerais que j'aille me terrer dans un trou comme les rebelles? Je suis fort, et je ne suis pas du genre à me cacher. Tu es un paladin? Je l'étais. Et puis nous avons perdu la guerre et notre magie. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un souvenir du passé. Même les plans grandioses des mages du feu n'y pourront rien changer. Tu combats ton propre peuple? Innos nous a abandonnés. Quand la magie runique a disparu, ma foi s'en est allée avec elle. Je ne prendrai pas les armes contre l'oppresseur tant qu'Innos ne m'aura pas rendu ma magie. De quel plan grandiose parles-tu? Il y a des mages en Nordmar qui pensent avoir trouvé un moyen de restaurer notre magie. C'est pour cela qu'ils cherchent les calices du feu et qu'ils les rassemblent dans leur monastère. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais réussi à lui rendre sa magie, lui. Je ne sais pas du tout comment on fait. Que sais-tu d'autre à propos des calices de feu? Rien. Tout ce que je sais, c'est où on peut en trouver un. Bah, c'est déjà et ça. C'est où? Dans ma poche. Je l'ai trouvé dans le fatras des affaires des soldats chassés du château. Donne-moi le calice de feu. Pour en faire quoi? Quelque chose que tu sembles bien incapable de faire. D'accord. Tiens, prends-le. Qui sait? Si tu le portes au mage de Nornmar, il en sortira peut-être du bien. Eh ben, c'était pas le plus dur à récupérer, celui-là. Hein? Mais je vous dis, je ne sais pas du tout comment lui redonne sa magie. Il n'y a rien de nouveau bon. Ici. J'espère qu'il y en a au moins un qui va me donner quelque chose. Il n'y a rien de nouveau ici. Oh merde! Mon chier. Une intéressante opposition. Oh saleté! Saleté, je te hais! Bon, on va dormir dans un lit un peu plus luxueux que d'habitude. Et d'habitude, c'est plutôt une paillasse. Pas une paillasse, parce qu'il y a normalement une paillasse. C'est comment son nom? Kabir. Alors... Toujours rester ferme, voilà ce que j'en dis. Ça me paraît assez restreint comme ville, c'est plutôt un fort. Bon, là, il y a des trucs à ramasser. Mais non, bon, je vais pas m'amuser à prendre des risques. Surtout encore une fois que je pourrais je pourrais les prendre quand j'attaquerai la ville. Là, je vous dis clairement là que pour la magie du paladin là, je vais regarder qu'est-ce qu'il faut faire parce que je ne sais absolument pas. Personne à qui parler. On chie avec leur coffre, ils me tentent, hein. Pas normal ça, c'est pas gentil. Est-ce que je suis pas en train de faire le... Non, faisceau d'armes, voilà. Ok, donc je sauvegarde. Allez, 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 allez. Allez, hop, faisceau d'armes, voilà. À qui faut que j'en amène, je sais plus. Est-ce que j'avais fait à Captain? Est-ce que je leur avais tous donné? Je leur avais donné toutes celles qu'il leur fallait. Tous ceux qu'il leur fallait. Encore un. Bon, ben on va descendre. Hein. Je l'explorerai plus en détail. Bon, on va descendre. Voilà. C'est là. C'est là. Voici brute. Plus de voleurs. Franchement, il me tente, hein. Une tente, c'est honteux, c'est honteux. Ouais, allez, on va résister à la tentation.
Bon, allez, on va se faire les ogres. Puis on ira chercher les fermes. Ah, ta gueule! Qu'attendez-vous dans ce cas? Je suis pas loup, là, si. Comme s'il n'y avait pas déjà bien assez de morats. Alors, il faudrait que je trouve un moyen facile de faire les ordres. Ah, puis il va y avoir des loups, je crois, autour, oui. Alors, je vais d'abord m'occuper des loups. Parce que c'est quand même une gêne. Allez, sauve-toi. Voilà, bon, bah déjà. J'aurais pu aller de l'autre côté encore une fois pour l'offrir. Enfin, pour. Ah là 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 là. Que les gardes s'en occupent eux aussi. Mais je veux mes 100 points. Cette bête, je vais l'écrabouiller. Il est bon pour l'asticot. Voilà. Bon, il y a la mouche sanguinaire là-bas. Ah, tiens. Il y a la mouche sanguinaire là. J'aime pas avoir ça dans le coin. Allez, allez là. Oh. Voilà. Ah non. Ah, mais il faut 3 coups. Putain, il me semble qu'il y en a certaines. Il y a quand même. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une part d'aléatoire. Je m'explique. Il doit y avoir comme un tirage de dés qui fait que. Des fois on fait plus ou moins de dégâts. Parce que là il n'y avait pas de raison légitime que je ne fasse pas les mêmes dégâts. Il n'y a pas de raison légitime que je ne fasse pas de maximum de dégâts à chaque fois. Puisque je tendais l'arc au maximum. Je bandais l'arc au maximum. Allez. Bon. Allez voir comme c'est chiant. Hop, il m'a vu. Regardez. Si je pouvais le coincer, le garder en bas, je prendrais l'arbalète. Mais non, ces salopards, ils montent. Donc je vais être obligé de. Oui. T'as raison. Pourquoi rester à ta place quand tu peux venir m'embêter? Hein? Ils ont beaucoup de vie, les salopards. Ouais, je vais pas m'amuser à attendre qu'il retourne. Voilà. Puis ils payent pas beaucoup en plus, hein. Un coin là-haut. Là. Arrête de danser, bordel! Ils respirent l'intelligence quand même, hein, ces ogres. Ouais, ça devrait être bon. Voilà, hop. Regardez, 400 points seulement par rapport à un loup qui est quand même beaucoup plus simple à buter. Bon, c'est bien du vin. Est-ce que je pourrais aller grimper là-haut? Est-ce qu'il... Est-ce que je suis pas sûr qu'il puisse grimper lui aussi. On va voir.
J'ai vu qu'il y avait une mouche sanguinaire dans le coin, j'aime pas trop ça. Ah, c'est bien. Impeccable. Hop. Donc on va équiper l'arbalète. Et puis on va se le faire. Tac. Voilà. Oh, c'est bien ça. Tac. Il y en a un troisième, il me semble. Comme ça, j'ai pas à courir, c'est quand même beaucoup plus pratique. Allez, hop, encore un. Ouais, peut-être un deuxième coup après. Ouais. Voilà, hop. Eh ben, c'est une affaire qui tourne, ça. Qui roule, qui tourne, je sais plus. Du vin, c'est toujours bon à prendre. On va se faire la mouche, hein. Ah ben, il y en a deux en plus. Ouais, trois, ouh là. Oui, ben... mesdemoiselles, hein. On va toucher pas si elles sont mariées. Je sais pas si elles volent réellement, c'est-à-dire que... Est-ce qu'elles sont considérées comme des entités qui ont les pieds au sol mais qui touchent pas le sol? Ou est-ce qu'elles... Hop là. Ou est-ce qu'elles peuvent survoler un trou, par exemple? J'ai l'impression qu'elle est derrière le trou, là. Non? Parce que là, elle avance pas. Bah non. Alors, franchement, j'ai pas compris pourquoi elle m'a pas attaqué. Pourquoi elle est pas venue vers moi. Je vais pas m'en plaindre, hein. J'en ai laissé une, je sais pas où elle est. Voilà, hop. Elle est là. Alors, le trou là, normalement, je peux pas y descendre. Ah, si. Si, bah, c'est l'autre là. Il y en a un autre de trou où je peux pas descendre. En fait, les deux cavernes se rejoignent, il me semble. Voilà, hop. Je suis dessous. Enfin, pas de soin. Là, voilà. Celui-là, je ne peux que tomber dedans. Donc, on va aller agresser le troisième. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'arène dans cette ville-là. Il me semblait qu'il y en avait dans chaque ville. Ah, quoique non, je sais plus. Il n'y en a qu'un, j'espère. Hein. Oh, il y en a deux. Bon, remarquez, si on arrive à les prendre tous les deux en haut de la petite bosse là, ça peut être bon. Oh, il y en a trois, waouh! Et viendez tous les trois. Allez. Faut pas qu'ils me lâchent tous les trois. Voilà. Allez. Ils sont assez rapides quand même pour des gros tas, hein. Faut que le troisième y vienne aussi, hein. Sinon, je vais être obligé de refaire tout le parcours pour aller la rechercher. Bon, voilà. Tant pis, j'en aurai que deux. Ouais, je vais me faire le troisième. Voilà, bon. Ah, je suis content d'avoir trouvé une position pour les avoir, ceux-là, parce que c'est pénible. À chaque fois, d'habitude, quand je tournais autour du trou, voilà, je jouais au chat à la souris, merde. Si j'ai pas vu que le viseur était à côté. Je leur envoyais une flèche, je courais un peu, Alors que là, bon, déjà, en utilisant l'arbalète, je fais, il me semble, plus de dégâts. Même si c'est pas forcément... Oh putain, il en faut quand même pour les buter. Hein. C'est pour ça que dans la caverne en dessous de Cap Dune,
j'ai pas voulu les prendre parce que c'est long. J'y retournerai, c'est gardé en mémoire, ça. Et de toute façon, et comme il y a aussi un ou deux dragons, alors ceux-là, la dernière fois que j'ai joué, le dragon s'est coincé derrière un décor, et je pouvais l'allumer sans qu'il puisse me toucher. C'est long. Il y en a qui les prennent au corps à corps, mais moi, regardez la vie qu'il m'a enlevé tout à l'heure, là, le salopard. Là, je sais pas s'il m'a enlevé tout ce qui manque, mais un coup, il m'a bien allumé. Voilà, hop. Je l'ai prise l'autre. Bon, allez, on va aller chercher le troisième. Après, on explore. Tu aurais pu venir, gros salopard, hein? Oui, c'est pas parce que j'ai trouvé un coin tranquille pour les avoir que je vais pas en profiter pour leur lancer quelques flèches quand je peux. Toujours cette prise. Je vais en mettre une dernière, je pense. Allez, bien. Voilà. Hop. Je suis pas sauvegardé. 4. Voilà. Allez, hop. Toc. Entre les deux yeux, là. Non? Il y en a une dans l'œil. On va essayer de lui viser l'autre œil. Voilà, là. Et ben, je le vois pas, le carreau. Tiens, je vais lui viser l'épaule. Je vois pas non plus. J'ai l'impression qu'ils font plus de dégâts, ces carreaux-là. Voilà. Impeccable. En plus, j'ai encore des points. Voilà, hop. On va aller visiter la grotte. Après, on va faire valider notre quête. Oh, pas vraiment, j'ai pas vraiment besoin de le faire maintenant. Je le ferai après, parce que... Ah, Osaï Royal, impeccable. Bon, je dis ça, mais je suis pas encore apte à faire des potions, donc... C'est pas très utile. Mais, je sais que... Qu'on en aura besoin... Bon, le crapaud, je m'en fous. Ah bah non, bah, j'ai dit une connerie. Alors c'est par ailleurs qu'on accède à la... Ah, c'est bien ça. Contre les missiles, je crois que j'en ai une. C'est trop lourd. Merde. Alors qu'est-ce que j'ai comme avant. Contre les flèches, oui. On est là, la force. Ah oui, d'accord, oui, la force, j'ai 5 en plus grâce à ça. J'avais oublié. Voilà. Hop, ça, il faut 150. Oui. Alors, ah bah non, je peux pas, il faut pareil 160. Bon, alors on va remonter. Hein. Ben non, finalement, j'ai pas besoin de remonter. Je vais y aller alors très lisse. Voilà. Hop. Bon, bah maintenant je suis là. Hein. Les ogres ne nuiront plus jamais à qui que ce soit. Bien! Un problème de moins. Voilà ta récompense. Voilà. Donc, ma petite sauvegarde. 5. Allez, voilà. La sauvegarde traditionnelle. Voilà. C'est bon. Hop, voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant vous retrouver la prochaine fois. Merci, au revoir.